Le parc zoologique de la Bourbansais est un zoo privé qui se situe à Pleuguenuc, en Ille-et-Vilaine. Abritant plus de 500 animaux sur 100 hectares, il participe à 11 programmes européens d'élevage. Dans un lieu unique et préservé, végétal et arboré, le jardin zoologique de la Bourbansais permet de vous évader à travers des environnements variés, îles et espaces naturels recréés, abritant de nombreuses espèces animales exotiques et rares, du monde entier, dont la plupart sont protégées. Le château, ses jardins à la française et ceux du carrousel sont les écrins de deux magnifiques spectacles uniques en France, de rapaces et oiseaux en vol libre et de présentation d'une meute de chiens à cheval et à pied, retraçant l'histoire de ses anciennes traditions royales, la chasse au vol et la vénérie. Un peu plus timide, mais aujourd'hui elle s'approche, c'est très non, bien. Ton épaule. Donc toutes les deux, 13 ans. Et la petite dernière, c'est Tikiti, qui a un peu plus d'un an et demi, qui est la fille de Kimba et Mika. Alors la particularité des girafes, c'est qu'elles sont très grandes. Elles ont un long cou, des grandes pattes. Ça cogne pour lui en hauteur. Alors est-ce que vous avez une idée de la taille de Mika? Si je vous dis 2 mètres. 3 mètres. Plus. Si je vous dis 7 mètres. Ah, si je vous dis 5 mètres. Alors 5 mètres, ils sont d'accord de ce côté-là et de ce côté-là. Est-ce que vous êtes d'accord pour 5 mètres? Non. Alors, je vous ai dit, les girafes sont folivores, elles mangent des feuilles. Là, j'ai ramené vraiment un tout petit peu de feuilles pour elles. C'est vraiment le tout petit goûter. Pourquoi? Car les girafes mangent 50 à 70 kilos de feuilles par jour. Ça fait une grande quantité de feuilles.
Alors nous, on ne va pas pouvoir leur en donner autant. Sinon, il n'y aurait plus du tout d'arbres autour de la Bourbancée. Donc nous, on leur donne également des granulés. Tout simplement des granulés pour ruminants. Ni chocolat, ni bonbons, ni gâteaux. Elles n'aiment pas ça. Alors qu'est-ce qu'on peut donner aux girafes? De la salade. De la salade. C'est pas ce qu'elles préfèrent. Oui. Des fruits et quoi comme fruits? Des pommes. Des pommes, tout à fait. Elles adorent les pommes. Quoi d'autre? À donner. Alors, si vous avez pu voir, alors, Kimba n'aime pas trop tirer la langue. Mika, c'est vraiment celui qui adore ça. Alors, ils ont une très très longue langue, les girafes, jusqu'à 40 cm de long. Et elle est dite préhensible. Préhensible, c'est comme la queue des capucins ce matin, en fait, elle va enrouler sa langue autour de la branche pour l'amener dans sa bouche. Et de quelle couleur est sa langue? Violette, bleue. Alors, nous, est-ce qu'on a la même chose? Non. Alors, pourquoi? C'est parce que la girafe, elle a du sang veineux dans sa langue, alors que nous, c'est du sang artériel. C'est-à-dire que si vous regardez au niveau de vos poignets, le record qu'on ait vu dans la nature, c'est un mâle de 6 mètres qui lui faisait 1,3 tonne. Donc ça reste quand même un animal assez svelte, assez fin pour sa taille. Si on le compare, c'est une jolie chute. C'est pour ça que cette taille, ce poids, ça lui permet de supporter sa venue au monde. Il va rapidement se mettre sur ses pattes pour aller téter sa maman. Il va commencer par à peu près 10 à 15 litres de lait par jour, ce qui fait une grande quantité. Puis au fur et à mesure, il va commencer à manger des feuilles dans la nature. Et ici, Tikiti, elle a commencé à manger, vu qu'elle a 15 mois et demi, elle est déjà sevrée. Ah bah Mika, maintenant t'es intéressée. Alors j'ai essayé de lui faire tirer la langue, on va voir si ça marche. Allez Mika, c'est à toi de jouer. Normalement t'aimes bien tirer la langue. Non, aujourd'hui, tu sais pas trop. Aujourd'hui, il fait trop chaud. Bon. T'es encore en train de ruminer. Alors, les petits naissent directement avec les taches. Ce qui est assez rare dans la nature. Normalement, les taches apparaissent un peu plus tard. Mais là, c'est un avantage pour les girafons de naître avec les taches. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Pourquoi c'est un avantage? Ça leur permet quoi? De se camoufler tout à fait. Car les prédateurs, les lions, les lionnes ne vont pas s'attaquer à un mâle. Girafe, par exemple, un mâle comme Mika. Parce que ça pourrait être très dangereux. Eh ben non, ça ne sert à rien du tout. C'est là pour faire joli. Quelques consignes de sécurité. Des consignes simples et obligatoires. Pour tout le monde, évidemment, les enfants comme les adultes. Ces consignes, les voici. Même s'il fait chaud, visiblement, vous avez choisi votre place. Vous devez donc y rester. Interdit de se déplacer pendant ce spectacle. La deuxième consigne est à peu près dans le même esprit. N'essayez pas de toucher les oiseaux s'ils passent ou se posent près de vous. Ce ne sont pas des peluches, ils n'apprécient pas les câlins. Vous risqueriez d'être surpris. S'exprime sans problème. Voilà, des consignes importantes, obligatoires. Nous allons pouvoir commencer donc cette démonstration qui a pour but de vous faire découvrir un petit peu ce monde merveilleux que celui des oiseaux et plus précisément des rapaces. Alors évidemment, tous les rapaces ne sont pas les mêmes. Il y a des oiseaux qui préfèrent chasser la nuit, d'autres en plein jour. Certains tombent du haut du ciel pour convoiter une proie qui passe en dessous. D'autres encore les poursuivent. Eh bien, nous allons essayez de voir tout un panel de ces méthodes de chasse différentes, donc, puisque la plupart des rapaces sont en effet des prédateurs, mais ils ne chassent pas tous les mêmes proies et n'ont pas tous les mêmes méthodes. Nous allons voir cela. Et commençons d'ailleurs tout d'abord avec des rapaces nocturnes. La chouette lapone arrive ici, suivie de près par la harpon des neiges. Ces deux oiseaux sont des oiseaux que l'on peut rencontrer en Europe, mais uniquement dans l'extrême nord de l'Europe, dans les pays scandinaves. Ah, c'est vrai. Pierre. La harpon des neiges est blanche comme la neige, facile à reconnaître, c'est un oiseau qui a même été rendu célèbre grâce à différents films, et je pense particulièrement à Harry Potter, souvenez-vous de celui-ci, où nous pouvions observer la fameuse Edwige. Eh bien dites-vous que la fameuse Edwige était un mâle, parce que chez les harpons des neiges, il n'y a que les mâles qui sont entièrement blancs sur le ventre, comme vous avez pu l'observer dans ce film.
Cet oiseau a un plumage mimétique, autrement dit qu'il va parfaitement imiter son environnement naturel. Quel est-il cet environnement? Les plaines enneigées du nord, extrême nord de notre planète, aussi bien en Europe du Nord et en Amérique du Nord. La chouette lapone qui va peut-être revenir, elle a un plumage plutôt gris. Gris, je dirais même couleur écorce. Et ceci va lui permettre aussi de passer inaperçu dans son milieu naturel, qui est le milieu forestier des forêts boréales. Ces deux oiseaux sont tout jeunes, ils ne sont âgés que d'un an, ils sont arrivés l'année dernière, au mois de juillet d'ailleurs. Ça fait un an tout rond qu'ils sont là. Ces deux oiseaux sont donc encore tout jeunes. Sachez qu'il faut partir. Le pépère d'ailleurs, parce que c'est un mâle. Il n'a pas encore le plumage du mâle adulte, hein, entièrement blanc sur le ventre, comme je vous le disais tout à l'heure. Un fameux de la, au sujet de la fameuse Edwige, du fameux Edwige le mal nommé. Tu veux venir avec moi? Viens si tu veux. Je crois qu'il a eu peur du micro. Quelques personnes se sont plaintes d'un micro peu entendu dans le bas des jardins. Du coup, on a augmenté le volume et elle a peut-être été un peu surprise. Ces oiseaux ont des acuités auditives incroyables. Et du coup, hein, je vous le disais, il est capable de repérer un lemming lorsqu'il se déplace sous la neige. Il faut quand même entendre extrêmement bien. Du coup, ils ont une sensibilité importante et peuvent être gênés par un environnement sonore nouveau, différent. Voilà. On fait du surplace à 10 ou 20 mètres d'altitude, alors, parfois 30 pour les courageux. Ils se placent face au vent lorsqu'il y en a. Et grâce à le tout petit battement d'aile très rapide, ils restent sur place comme un cerf-volant. Wow, c'est pas mal, ma belle. Voilà. Et ils restent sur place et ainsi, lors de ce vol stationnaire, ils essaient de repérer un petit mulot, un rongeur de petite taille. Mulot, campagnol, souris. Lorsqu'il l'a repéré et pense la capture possible, eh bien il plonge et essaie de l'attraper. Voilà. Faucon, cresserelle. Souvent confondu avec l'épervier, ce sont deux rapaces tous les deux de taille à peu près semblable, mais ils ne chassent pas de la même manière. Pour une couvaison et un élevage des jeunes en toute discrétion. Alors si le mâle fait le beau à la fin de l'hiver, c'est pas pour rien, c'est pour se reproduire. Ouais. Nous on a des voitures, des motos. Allez, passons maintenant à un autre sujet et continuons à parler de ces faucons, formidables oiseaux. Et ici, c'est un faucon gerfaut qui démarre. Attention, c'est la plus grande espèce de faucon au monde. Son objectif est là-bas, regardez le canard. Attention, parce qu'ici, c'est un véritable vol à vue, ou presque. Oh, c'est pas mal, il va falloir refaire une grande boucle, ma belle. Elle va en faire deux parce qu'elle va attaquer face au vent. Voilà. N'arrête pas de souffler. Arrêtez. Attention, le canard n'a plus longtemps à vivre. C'est un faux. Qu'est-ce que c'est là? Elle perd beaucoup de force et de vitesse en allant jouer comme cela au ras du sol. Elle est gênée parce que le ballon fait le yo-yo. Voilà, excellent. À l'instant, et pour cela, nous t'échapperons donc ce faucon sacre. Le faucon sacre est un oiseau que l'on peut rencontrer en Orient, Moyen-Orient. Elle se prénomme Rayonne, celle-ci. C'est un oiseau relativement jeune, elle n'est âgée que de 2 ans. L'année dernière, le problème, c'est qu'elle avait cassé tellement de plumes qu'elle n'a pratiquement pas volé de l'été. Nous avons pu la voler à l'automne et en hiver, mais tout l'été, elle est restée changer son plumage. Le renouvellement du plumage est quelque chose de naturel qui se produit la plupart du temps aux périodes printanières et estivales. On appelle cela la mute. Les vieilles plumes sont jetées par l'oiseau, il les laisse tomber et fait pousser les plumes toutes là. Ici, je lui propose un exercice qui consiste, et vous le constatez de vous-même, à essayer d'attraper ce leurre au passage. Afin de faire durer l'exercice le plus longtemps possible, eh bien, j'évite son passage, j'esquive et lui retire le leurre. Un exercice intense, pour ne pas dire violent sous cette chaleur intéressante aujourd'hui. Intéressant de le signaler, c'est un faucon sacre, non ? Un oiseau parfaitement habitué à la chaleur bretonne, puisqu'on le retrouve en Orient, Moyen-Orient, dans les pays arabes. Et dans l'est de l'Europe également, où le climat continental est parfois torride. Donc ce faucon sacre ici fait quelques attaques sur ce leurre. En fait, en compagnie de l'homme, à la chasse, elle serait invitée à aller monter très haut dans le ciel pour aller se placer à 100, 200, 300 mètres d'altitude, très haut là-haut. Et elle doit attendre un quart d'heure, 20 minutes, parfois une demi-heure, que le chien qui accompagne le fauconnier réussisse à faire envoler une perdrix, un faisan ou un canard. Lorsque c'est le cas, eh bien le faucon de là-haut plaque les ailes au corps, se laisse tomber et peut atteindre lors du piqué les 200 km/h pour attraper, comme ici, regardez, la perdrix au passage.
Voilà. Superbe vol ici de mon ami Rayonne qui se pose tranquillement avec le leurre au milieu de vous. Vous pouvez l'applaudir généreusement, elle a fait un beau vol. Voilà, un oiseau qui a finalement, malgré ses 3 ans déjà, n'a finalement qu'une petite expérience. Ça va venir. Donc avec les faucons, nous pratiquons le haut vol. On laisse l'oiseau monter haut dans le ciel. De là-haut, il surveille le chien de chasse. Et quand ce chien de chasse fait envoler un gibier à plume, le faucon plonge. Et c'est à ce moment-là qu'il peut atteindre les 200 km/h, voire les presque 400 km/h pour le faucon pèlerin qui est le plus rapide au monde. Ça s'appelle le haut vol, et plus précisément le vol d'amour. S'il existe le haut vol, c'est qu'il existe le bas vol. Alors traditionnellement, le bas vol en Europe est pratiqué au moyen de l'autour des palombes. L'autour des palombes est un oiseau somptueux qui fait autour d'un mètre d'envergure pour 1 kg, pour vous donner un ordre d'idée de taille. Il est souvent destiné à la chasse du lapin, du lièvre et du faisan. Néanmoins, eh bien, nous avons choisi ici à la Bourbansais de vous proposer le vol de bus de Harris. Alors pour les accueillir, il faut que Rayon soit sorti. On va attendre quelques secondes. Nous préférons, nous, le lapin, le lièvre et le faisan, alors nous nous sommes orientés vers la buse de Harris. Cet oiseau américain est capable de les maîtriser. Elle a en plus comme autre particularité de chasser en groupe. Des groupes familiaux, sociaux, de véritables meutes constituées de 6, 8 à 10 individus qui ne vont pas hésiter en plus à l'état sauvage à chasser ensemble en mettant des stratégies de groupe en place, des stratégies complexes où il peut y avoir des rôles bien distincts en fonction des sexes et des capacités de chacun. Élise est arrivée ici sur le banc de Corentin. Quant à moi, j'ai Panama, la fusée de l'équipe, Élise étant la doyenne. Et Jack ici, surnommé Jack le Glandeur. Ces 3 oiseaux vont essayer de poursuivre, mais surtout d'attraper un petit lapin qui... Oh ! Superbe attaque ici de Panama qui a lancé les pattes 2 fois, mais c'est raté. Elle fait la poursuite toute seule comme une grande. Wow ! Raté encore, c'est pris à la tête, plaqué au sol. Bravo les bus de Harris. Oui, c'était une belle poursuite. Vous ne les applaudissez pas ? C'est bien dommage parce que c'est une très très belle poursuite ici. Rien à voir avec le vol des faucons, je suis d'accord. Mais ici, ces oiseaux ont effectué une poursuite puissante au ras du sol. C'est ça le bas vol. Véritable sprint où la proie met le turbo pour échapper au prédateur. Et le prédateur fait tout ce qu'il peut en stratégie, en puissance, en qualité physique en tout genre pour, si vous êtes amené à faire de véritables pirouettes parfois, pour essayer de rattraper la proie, la tenir et la maîtriser. Ces bus de Harris permettent réellement la chasse du lapin, du lièvre, du faisan. Des oiseaux puissants, dotés de doigts longs, comparativement aux buses variables que nous avons chez nous, elles ont des doigts qui font quasiment le double en longueur. Donc, elles sont capables de maîtriser des proies importantes, puisqu'elles ont assez de longueur de doigts pour les tenir. 1 mètre d'envergure pour 1 kg pour la belle Élise ici, la doyenne de notre équipe de Harris. 14 ans déjà pour Élise. La jeune Panama ici, âgée de 3 ans, elle est un oiseau un peu hors du commun, d'une puissance et d'une détermination en plus assez étonnante. Elle a eu un demi en plus avec moi. Donc passons à la catégorie supérieure. Non, j'ai oublié quelque chose. Fauconnerie avec les faucons tout à l'heure, mais avec une buse. On pratique la butéonnerie ou l'autourcerie avec un autour des palombes ou un épervier. Ici, eh bien, c'est un aigle royal qui est arrivé. Nous allons donc partir ensemble à la chasse avec un aigle. On va pratiquer l'aiglerie. L'aiglerie se pratique un peu partout dans le monde. La fauconnerie, butéonnerie aussi. En France, 9 aigliers. On ne fait pas beaucoup, mais ils sont là. En compagnie d'un aigle royal, 2 mètres d'envergure, 3,5 kg. 300 kg de pression, centimètre carré dans chaque serre. On peut réellement chasser le lièvre, renard, chevreuil et même sanglier jusqu'à 30 kg. Ici, c'est un renard qui a démarré dans le bas des jardins. Regardez comme c'est puissant. Un vol incroyable au ras du sol, les ailes dans la pelouse. Boum ! Oui !
T'étais à fond, là? Pratiquement à fond. Génial. Ça va donner cet hiver. Hein? Alors ici, il a décollé avec le renard. Évidemment, c'est un faux. Un vrai renard est beaucoup plus lourd que ce leurre. Hein? Cette fausse proie ici est toute légère. Et du coup, il peut décoller avec un vrai renard. Adulte, un renard fait 8 à 10 kilos. Mais un aigle royal ne peut pas décoller avec une proie de 8 à 10 kilos. En revanche, il est capable de la maîtriser. Sur ce faux renard, nous avons placé une vraie récompense. Un vrai morceau de viande. Et on ne se moque pas de lui parce qu'il s'agit... Il s'agit d'une caille. Sur cette caille, il a tout mangé déjà. Vérifie, parce qu'il est arrivé. Il a tout mangé. C'est possible. Il n'y a plus rien. Parfait. Eh bien, il a tout mangé, disais-je. Autrement dit, la viande, mais aussi les plumes, les os, tout. Et comme il ne digère pas les plumes et les os... Il a failli se faire charger dans le dos. Il aura dû le lâcher. Et comme il ne digère pas les plumes et les os, eh bien, il va les rejeter demain matin par voie orale, sous forme d'une petite pelote de réjection. Vous voyez, une petite poulette de déchets, les plumes, les os. Ou le poil, s'il a mangé, je sais pas, moi, du lapin, de la laine, s'il a mangé un mouton. On va pouvoir maintenant accueillir la mascotte de l'équipe, pour la moindre. Elle se prénomme Miss Blue, un oiseau extraordinaire. Elle est belle. Ou elle a un caractère pas facile, hein, faut se méfier. L'aigle bleu du Chili, vous l'avez peut-être vu à sa perche tout à l'heure. Elle est magnifique, on la repère souvent. Elle a un plumage quand même bien différent des autres rapaces présentés. Et on la voit de temps en temps faire des pirouettes à la perche. Ne vous inquiétez pas pour elle. Souvent, elle s'impatiente ou elle voit quelqu'un qui ne lui plaît pas dans les jardins. Rien à voir avec vous, visiteurs. Elle s'intéresse aux salariés qu'elle n'apprécie pas tout le monde. Donc, elle le fait savoir. C'est normal, elle a raison. L'aigle bleu du Chili. Eh bien... Elle va venir nous montrer comment peut chasser un busard. Attention, elle est bien placée là, du haut de l'orangerie, elle va pouvoir plonger, prendre de la vitesse, battre des ailes au ras du sol, en espérant surprendre un rongeur ou un oiseau, tiens, qui va s'envoler devant elle. C'est ce qu'on va tester. Voilà, technique de chasse des busards et des aigles bleus du Chili. Oui! Très belle ressource ici de cet oiseau qui a, et c'est pas anodin, choisi de se placer sur une hauteur pour manger. Et oui, parce que lorsque l'on chasse dans la pampa d'Amérique du Sud ou au-dessus des roseaux, des champs de blé, enfin céréales en tout genre, attraper une proie et se poser dans cette végétation qui va en plus se refermer plus ou moins autour de vous, c'est pas confortable pour deux raisons, au moins deux. Enfin, pour en manger, ils vont s'orienter vers des cadavres, tout simplement. Ce sont des charognards. Et ici, eh bien, nous allons accueillir les vautours fauves, qui sont des charognards exclusifs. Ils ne sont pas équipés pour chasser. Que faut-il pour chasser? Il faut au moins une chose importante, des pattes, qu'on appelle des serres, puissantes, capables d'attraper et de tenir un animal. Ceux-ci n'ont pas vraiment de force dans les serres, alors du coup, ils ne peuvent pas attraper quoi que ce soit. Les vautours fauves tiennent leur nom de fauve, de la couleur fauve de le plumage des jeunes. Ici, nous proposons 4 oiseaux jeunes, puisque le plus jeune, ici, est âgé de 3 ans, c'est Brutus, et le plus âgé, c'est Romulus, qui est à la tour, côté forêt. Donc, ces oiseaux sont tout jeunes, ils peuvent atteindre, et je leur souhaite, 30 ans, 40 ans peut-être. Ces oiseaux sont donc de véritables gamins. Ici, eh bien... Ils vont venir effectuer quelques vols, donc quelques allers-retours, mais dites-vous que dans la nature, ces oiseaux sont amenés à voler très très haut dans le ciel. Pour cela, ils vont utiliser leurs grandes ailes, longues et larges. Longues, elles ont 2,50 m d'envergure quand même. Aux extrémités digitées, ils peuvent ouvrir, séparer les plumes au bout des ailes, comme les doigts d'une main ouverte. D'où le nom de digiter. Ces ailes sont en plus très larges, ce qui leur donne un très gros appui sur l'air. Ces oiseaux vont, d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, sont présents un petit peu partout sur la planète, mais y compris en France, hein, dans les Alpes, les Pyrénées, les Cévennes. Et ils vont donc survoler ces montagnes à la recherche d'un cadavre. Pour cela, ils vont utiliser ce vol plané, très économique en énergie, et ainsi, puisque quand on ne bat pas des ailes, on consomme très peu d'énergie, ils vont donc pouvoir rester en vol de longues heures, observer le sol, et le repérage d'un cadavre se fait visuellement.
Le problème, c'est qu'ils volent à plusieurs. Ça permet de surveiller de grandes zones et d'être efficace dans la recherche. Mais le problème que ça entraîne, c'est que, eh bien souvent, ils vont tous descendre ensemble. Cela occasionne de véritables joutes que l'on appelle la curée des vautours, où chacun essaie de pousser le voisin pour avoir un accès prioritaire à la nourriture. Ces oiseaux sont morphologiquement adaptés à la consommation de grandes carcasses. Leur grand cou leur permet d'aller fouiller les carcasses au plus profond d'elles-mêmes. À la base du cou, une collerette de plumes ou de duvet qui permet de stopper le sang, qui n'aille pas souiller le reste du plumage. Et à l'autre extrémité, un bec puissant, dont il faut se méfier. Superbe envol ici des cigognes blanches, je précise, mais aussi cigognes noires, accompagnées d'un couple de grues cendrées, regardez. Oh, très très bon vol ici, peut-être vont-elles prendre un petit peu de hauteur. Ça serait bien, ça fait quelques semaines, eh bien, comme nous avons subi un peu partout en France de mauvaises météo. Regardez les deux cigognes de l'année qui prennent un décollage intéressant, 2 mois et demi seulement pour les bébés. Voilà, super. Voilà. Donc nous avons eu quand même, il faut l'avouer, comme partout en France, un printemps épouvantable, avec du froid, de l'humidité, bref, eh bien, nos cigognes ont appris, à cause de ces mauvais temps, à faire les feignantes. Donc elles se sont dit, ça sert à rien de voler, le temps est épouvantable, on va rester par terre. J'aimerais bien qu'elles reprennent l'habitude de monter. Néanmoins, eh bien, pour celles qui sont arrivées avec moi, je vais leur proposer ici quelques friandises. Elles vont pouvoir vous montrer comment manger une cigogne. Ça paraît bête. Mais comment manger une cigogne? Et là, déjà, sachez que les cigognes sont carnivores. Elles vont manger de la viande, sous quelle forme? Pas mal d'insectes. Oui, mais... pas mal d'insectes, disais-je, mais aussi eh bien, des poissons, des grenouilles, des petits animaux. Qu'elles vont trouver en marchant dans l'herbe haute, dans l'eau de faible profondeur. Leurs longues pattes leur permettent cela. Et elles ne seront pas gênées, justement, dans ces eaux humides. De la même manière, leur long cou et leur long bec leur permettent d'attraper directement la nourriture. Autrement dit, contrairement aux rapaces, la nourriture est capturée directement avec le bec, alors que les rapaces capturent avec les serres, les pattes, et déchirent des morceaux avec le bec. Comprenez la différence? Ces oiseaux sont présents de façon impériodique en France, en Europe plus largement. Je dis bien les oiseaux, hein, les cigognes blanches qu'on connaît bien, mais les cigognes noires sont présentes en France aussi, et en Europe. Ils sont présents en printemps et en été, elles en profitent pour nicher. Le fruit de cette nidification, on les appelle les cigognos. C'est d'ailleurs deux cigognos de l'année qui vous ont été présentés là-bas, à côté de Jérémy. Deux cigognos qui sont âgés de 2 mois et demi. Ces oiseaux, eh bien, les cigognos et les cigognes adultes, repartent dès le mois d'août, septembre, pour passer l'hiver en Afrique, donc ils redescendent de plusieurs milliers de kilomètres. Celles qui migrent sur la façade atlantique vont parfois s'arrêter en Espagne. Elles sont accompagnées eh bien, de milans noirs. On va proposer quelques friandises aux milans noirs. Regardez, la technique est différente. Paf, c'est attrapé avec les serres. Même quand c'est raté, le geste est là. Attention. Ça y est, très bon, un peu de. Donc, les rapaces attrapent avec les serres. La nourriture passe des serres au bec tout en volant. Voilà. Et ainsi, ils peuvent s'alimenter tout en volant un petit peu. En suivant parfois de véritables bancs entiers de criquets ou de grillons que l'on peut, pas grillons, de criquets donc que l'on peut rencontrer en Afrique. Voilà. Allez, c'est avec le vol de tous ces oiseaux que nous allons ponctuer ce spectacle. J'espère que vous avez passé un bon moment parmi nous. Merci à tous et à toutes de votre présence, de votre attention. Thank you.
c'est marrant, tu regardes. Image, on voit ça, regarde. On voit ça de dos. C'est marrant, on voit ça. Tu vois ça de dos. Et c'est cool, tu vois ce que c'est. Hop. Tu vois. On va aller d'ailleurs, on fait le temps. Donc, les chiens, c'est un drapeau. Hein. Mais en plus, les voleurs doivent courir avec leurs chiens. Eh oui, alors courir la campagne avec tous ces petits chiens qui, mine de rien, vont quand même assez vite, c'est un véritable sport. Voilà. Nous allons dans un instant tenter un petit exercice d'obéissance. Un exercice qui n'est pas toujours facile à leur proposer. Alors, on leur propose, mais il n'est pas toujours effectué comme on le souhaiterait. Attention, on y va ? Allez, arrête. Voilà, on arrête. Voilà, quelques friandises ont laissé le temps. C'est bien, l'arrêt est bien effectué. Laissez le temps à Aurélie de s'écarter. Et dans un instant, elle va ressonner de la pibole. Cet instrument de musique a un son qui permet... Voilà, c'est parti. Qui permet donc de, quelque part, communiquer avec les chiens. Voilà, il reste une friandise. Explique-toi, tu vas être en retard. Voilà, super, on peut les applaudir, sacré petit chien, ils sont mignons comme tout. Alors vous avez remarqué la présence d'un couple. Parce que ce n'est pas un couple d'amoureux, hein. Je suis désolé de vous décevoir. C'est juste un... Hier, c'est magique. Voilà. Alors pour la grande vénerie, qui a la chasse à cour dans la voie du grand gibier, chevreuil, sanglier et cerf, bien sûr, eh bien les veneurs partent avec des chiens de plus grande taille qui vont courir plus vite et parfois aussi... Alors ici, la configuration de placement est la même qu'à pied, dans la mesure où on a un piqueux à l'avant, Patrick, qui donc va déterminer le chemin que la meute doit suivre. Ici, une meute de près de 50 Français tricolores, dans lequel ont été incorporés des Français noir et blanc, assez simple, des tricolores en trois couleurs, noir, blanc et marron. Les noirs et blancs n'ont que deux couleurs, noir et blanc. Voilà, deux races françaises bien distinctes, reconnues toutes les deux par la Société Centrale Canine. Delphine à l'arrière surveille que tout le monde suive bien. On va l'entendre par-ci, par-là, appeler les chiens par leur prénom. Si, si, elle reconnaît chaque chien d'un seul coup d'œil. Et ça va bien quand c'est Delphine qu'à l'arrière, hein, les entendre bien. Alors ici, eh bien, il monte des trotteurs français. Ce cheval est fort apprécié pour la chasse à cour, justement pour son allure de prédilection. Et comme le nom l'indique, ce sont des trotteurs. Leur allure de prédilection, c'est le trot. Une allure suffisante pour suivre la chasse de façon efficace, mais en même temps assez modérée pour économiser l'organisme des chevaux. Voilà. Au pas, les veneurs ne vont pas assez vite, et au galop, ils vont certes plus vite, mais ça fatigue le cheval très vite, justement. En plus, le trot est intéressant pour une autre chose, la sécurité du cheval et du cavalier, mais aussi des chiens éventuellement, car au trot, le cheval a toujours deux pieds qui touchent le sol en alternance, il est donc plus stable,
Il est plus facile à freiner également en cas d'obstacle qui n'a pas été identifié rapidement, comme un fossé rempli de feuilles. Voilà, des branches basses ou je ne sais quel autre tronc qu'on n'a pas vu, donc sur un côté de chemin. Voilà, les veneurs vont maintenant passer à l'allure de la chasse. Je vous mets dans l'ambiance grâce aux fanfares de circonstance. Allez, c'est parti!